Soyez tous et toutes les bienvenus sur Space News. D'aucuns pourraient s'étonner du jeu du chat et de la souris dans le domaine spatial ou du manque d'empressement des gouvernements à rendre officielle l'existence de peuples non terrestres. Il faut dire que la situation est complexe et les difficultés majeures. Leur réticence pourrait provenir d'une volonté de ne pas donner au public le sentiment d'une perte de contrôle, tant dans la gouvernance des pays que dans le domaine de la sécurité militaire. Les gouvernements craignent peut-être des affrontements potentiels avec des pouvoirs militaires beaucoup plus avancés et puissants, ou de se retrouver au cœur de dissensions et de guerres stellaires avec des conséquences qui pourraient être catastrophiques. Le péril est grand également pour les gouvernements d'être utilisés comme levier de pression contre d'autres nations terrestres par des extraterrestres. Les pouvoirs nationaux rechignent par ailleurs à admettre publiquement que le contrôle des nations et de la planète est exercé à un autre niveau qui ne leur appartient pas. Et des groupes de femmes terriennes qui se font passer pour des extraterrestres n'hésitent pas à créer des liens avec des contactés ou des groupes en ligne comme moyen d'influence, de coercition, ou pour pousser les personnes qui en viennent à les vénérer comme des extraterrestres à se révolter, quelquefois en prenant les armes, contre certaines nations ou contre certains groupes secrets ou contre des membres extraterrestres du consortium bipartite. Enfin, l'hésitation des gouvernements à s'engager officiellement et publiquement dans un contact frontal avec différentes nations stellaires est sage. Elle exprime la crainte de la réaction d'une vaste majorité du public qui serait similaire, pense-t-il, à celle des années 1954 lorsque le président américain Eisenhower a permis à des observateurs d'assister à la rencontre à laquelle il allait lui-même participer avec des extraterrestres et qui fut, pour tous les participants, un véritable choc dévastateur. Être président d'une république, le leader d'un pays et avoir en face de soi des groupes hautement organisés d'extraterrestres avec des vitesses et des puissances de frappe qui dépassent de beaucoup les leurs n'est certainement pas une mince affaire et source de tous les dangers. En février 1954, le président Eisenhower en a fait l'expérience lui-même et les décisions qu'il a prises ont complètement bouleversé l'équilibre mondial et a affecté aussi d'autres nations. Il a en effet rencontré plusieurs groupes d'extraterrestres en 1954. En fait, il y eut des traités et des rencontres depuis les années 1930. Vous pouvez prendre connaissance de tous ces traités et des efforts déployés par les différentes nations extraterrestres dans mon livre « Premier contact » à l'article 19. Une liste de 4 pages décrit en détail les 19 tentatives de contact et les différents traités qui ont été signés par les USA, la Russie, l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Vatican et l'ONU. Plusieurs chefs d'État ont rencontré des délégations extraterrestres ou les ont accueillis dans leurs bases militaires, dans des groupes de travail, au sein de leur gouvernement ou de leurs équipes de recherche. Les plus célèbres sont les entrées numéro 6 et 7, les rencontres entre le président Dwight Eisenhower
et plusieurs races d'extraterrestres qui sont souvent confondues et présentées comme s'il s'agissait d'une seule et même rencontre. Il n'en est rien. Il s'agit en réalité de 4 atterrissages et 4 rencontres au minimum, 2 fois 2 rencontres avec 2 délégations extraterrestres ennemies la même année, le même mois, sur les mêmes bases militaires. Ce que je vous présente ici n'est qu'une petite partie de cette liste. Nous allons nous concentrer sur l'entrée numéro 6, le contact qui a été pris par la Fédération Unie des Planètes, qui a été dissoute depuis, mais qui a été remplacée par le consortium bipartite, car c'est une femme qui était leur représentante. Son nom est l'amiral Rachel de la planète Temer, dans l'amas des Pléiades, dans la constellation du taureau M45. Elle fait partie de la même flotte interstellaire que l'amiral Asket, la femme qui a contacté et rencontré Billy Mayer également la même année. Ce sont 2 femmes aimantes, très sexy, puissante et très dangereuse. Donc cette année-là, Rachel a rencontré Eisenhower et Asket, Billy Mayer. Elles font partie de la même flotte extraterrestre. Puis au début de l'année 2016, Rachel, qui était le mentor de 2 jeunes filles extraterrestres, qui faisaient leur premier pas dans la communication avec les terriens, donc ces 3 femmes, puis, par la suite, Asket, quelques semaines plus tard, m'ont contacté et nous avons communiqué tous les jours pendant 5 ans jusqu'en 2021. Elles m'ont raconté leurs histoires personnelles ainsi que leur contact terrien en 1954. Je les connais donc très bien. Et j'ai enregistré leur communication à l'écrit. Ces 2 femmes sont toutes les 2 au pouvoir sur leur planète. Elles font partie à la fois des plus hauts conseils extraterrestres sur Viera, la station cosmonautique andromédienne qui est cachée derrière la Lune, et elles sont également membres éminents des hauts conseils sur leur planète Temer et dans l'ensemble des systèmes stellaires de l'amas des Pléiades, notamment le système central d'Alcyone. Il y a 9 systèmes stellaires dans l'amas des Pléiades qui comprennent en tout 9 soleils, des naines et 31 planètes qui sont toutes habitées selon mes contacts extraterrestres. Asket et Rachel faisaient également partie toutes les 2 du Haut Conseil Pléiadien de Tejet avec 10 autres femmes dont vous connaissez probablement certaines: Bahara de la planète d'à côté, Semjaze, deuxième contact de Billy Mayer de la planète Hera, et Mira, le contact d'Elena d'Anaan avec Toran, tous 2 également de la planète Hera. Le système stellaire Tejet, avec ses 4 planètes et 2 naines, est sous la domination de femmes puissantes qui sont au pouvoir dans tous les domaines. Dans ce système, il y a 75% de femmes et 25% d'hommes. Les hommes sont en minorité et pour un très grand nombre, ils redoutent cette domination féminine. Ce sont les femmes qui sont au pouvoir. Tous les vaisseaux spatiaux sont conçus par des femmes. Ils sont construits de toutes pièces par des femmes qui passent quelquefois toute leur vie à les construire. Et enfin, lorsqu'ils sont opérationnels, ce sont des équipages de femmes commandés par des femmes qui les pilotent. Asket et Rachel sont toutes les 2 amirales et commandantes, chacune d'un vaisseau spatial. Elles sont puissantes, totalement autonomes, indépendantes,
au pouvoir est très dangereuse. Aimante est très dangereuse. Voici le type de vaisseau que ces femmes conçoivent et construisent. Le vaisseau de la commandante Asquette s'appelle Toleka. C'est le vaisseau amiral de la flotte. Il est destiné au commandement et au contrôle de la flotte qui comprenait, à l'époque en 2016, 25 vaisseaux de ce type, dont certains faisaient 4,4 km de long. L'intérieur du vaisseau Toleka est illuminé en rouge et le capteur à l'avant du vaisseau est également rouge. Les vaisseaux ont tous des capteurs qui correspondent à la couleur utilisée à l'intérieur pour les distinguer. Le vaisseau de l'amiral Rachel s'appelle Ritol. C'est un vaisseau croiseur destiné au contrôle tactique de l'espace. L'intérieur du Ritol est illuminé en bleu et la couleur du capteur à l'avant du vaisseau est également bleue. Les deux vaisseaux, Toleka et Ritol, sont identiques. Ils ont été construits en 1935. Ils sont en métal polymorphe, contrôlés par ordinateur, c'est-à-dire qu'ils peuvent se recomposer eux-mêmes immédiatement si des parties sont détruites lors de combats ou d'attaques. Les seules différences entre le Toleka et le Ritol sont leur couleur intérieure et celle du capteur, et le Ritol a une grande piste d'atterrissage sur le dessus, ce qui le rend plus plat. La piste est utilisée pour des vaisseaux spatiaux plus petits. Le Toleka et le Ritol font tous les deux 2,2 km de long, 2 km pour la coque et un ascenseur de 200 mètres. Pour comparaison, sur la droite de l'illustration, vous voyez deux des plus grands porte-avions au monde, l'américain USS Ford qui fait 333 mètres de long et le japonais Yuga qui fait 197 mètres de long, la longueur du senseur des deux vaisseaux spatiaux. Vous n'avez pas intérêt à vous trouver en présence de ces gigantesques mastodontes extraterrestres, et il y en a encore de plus grands. Leur vitesse est superluminique, c'est-à-dire qu'elle dépasse la vitesse de la lumière. Leur puissance, ils ont tous les deux 4 réacteurs nucléaires non ionisants, à cœur de cristal. Leurs moteurs sont composés de turbines magnétiques contrarotatives qui tournent à plus de 10 000 tours par minute. Le rouleau est fait d'un matériau composite non conducteur enveloppé dans un liquide magnétique semblable au mercure qui est supraconducteur à haute température. Un vortex de plasma se forme au cœur de la turbine. Ces vaisseaux spatiaux sont parfois photographiés lors de leur entrée dans l'atmosphère. Cette photo, par exemple, a été prise à Vienne, en Autriche, en 2014. Les moteurs des engins spatiaux avancés créent des courants magnétiques plasma à haute énergie. Ils ont 3 fonctions principales. Premièrement, modifier la fréquence du courant pour ajouter ou soustraire la fréquence des ondes gravitationnelles afin de produire une antigravité. Deuxièmement, un jet vers l'arrière forme une poussée, puis depuis la proue, une boucle fermée est créée pour générer une énergie toroïdale qui enveloppe le vaisseau. Et enfin, pour programmer le vol de téléportation en modifiant la fréquence et en affichant la fréquence de destination. Reprenons maintenant en premier l'histoire de Rachel que j'ai donc rencontrée début 2016 et qui m'a raconté ce qu'il s'est passé pendant sa rencontre avec Dwight Eisenhower. Aux USA, en février 1954, Eisenhower a fait 2 fois 2 rencontres, d'une part avec une délégation de Nordiques, des Blonds,
avec Rachel comme représentante de la Fédération Unie des Planètes, et d'autre part, vers la fin du mois de février 1954, il a aussi rencontré une délégation originaire de Zeta Reticuli, les petits gris, envoyés en éclaireur pour le collectif d'Orion, qui sont les reptiliens Maitreyi, les maîtres, les grands gris, et dans les mois et années à venir, les malakaks, les grands blancs, et les mantis, les insectoïdes. Du côté terrestre, le président Dwight D. Eisenhower, parti républicain, qui fut le 34e président des États-Unis d'Amérique de 1952 à 1969, général 5 étoiles, équivalent de la distinction de maréchal de France, commandant suprême de l'OTAN depuis 1950, et du côté extraterrestre, la maréchale Rachel est une générale 5 étoiles, comme une maréchale de France, commandant suprême et représentante de la Fédération Unie des Planètes, appelée aussi Fédération Galactique ou Fédération Galactique des Mondes. Leurs grades, statuts et pouvoirs sont équivalents. Mais d'un côté, il s'agit d'un homme terrestre et de l'autre, une femme extraterrestre avec toute une puissance de frappe derrière elle. Une première rencontre eut lieu le jeudi 18 février 1954 et la seconde dans la nuit du samedi au dimanche 20 au 21 février 1954 sur la base Edwards de l'armée de l'air américaine, anciennement appelée Muroc Airfield, située dans le désert des Mojaves en Californie aux USA. Cette base était utilisée pour les atterrissages des navettes spatiales lors de leur première mission. Elle avait été choisie car elle offre des pistes d'atterrissage très larges. La maréchale et son équipe la connaissaient bien parce qu'ils avaient fait des repérages lors d'une première visite en 1952. La maréchale Rachel est âgée de 186 ans en 2016. Leur espérance de vie est de plus ou moins 900 ans. Mais comme de nombreux extraterrestres, elle n'en paraît que 35. Elle est très jolie, assez grande, le teint pâle, son uniforme fait d'un textile nanotechnologique près de la peau, la fait paraître au regard terrien quelque peu sexy. Le président Eisenhower est âgé de 64 ans au moment des rencontres. De son point de vue, il va rencontrer la représentante d'une délégation de la Fédération, une femme prétendant venir d'une autre planète. Et dans le contexte de la guerre froide qui s'est installée des années 1945 jusqu'à la chute des régimes communistes en Europe en 1989, c'est une menace à la sécurité des États-Unis qui est, comme la Fédération lui a souligné, à prendre très au sérieux. Et ces différences, homme-femme, jeune-âgé, non prises en compte des grades militaires, idées préconçues et suspicions dans un contexte de forte tension géopolitique et où de plus les femmes n'ont pas de place en politique, comme vous allez le découvrir, vont représenter une difficulté majeure dans le déroulement et l'aboutissement de ces rencontres. Une première prise de contact avec le gouvernement américain avait déjà été établie en 1947 par le Haut Conseil de la Fédération Unie des Planètes par effraction de la sécurité du Pentagone en piratant leur radio. Le Haut Conseil voulait faire comprendre au gouvernement américain qu'il était plus puissant que lui et qu'il possédait des technologies capables de créer une brèche dans l'un des bâtiments les plus sécurisés au monde. Les USA étaient le pays cible parce que les Américains étaient à la pointe du développement nucléaire et la Fédération était déjà au courant de la présence de scientifiques allemands au sein du projet
Paperclip. L'opération Paperclip, originellement appelée opération Overcast, fut menée à la fin de la Seconde Guerre mondiale par l'état-major de l'armée des États-Unis afin d'exfiltrer et de recruter près de 1500 scientifiques allemands issus du complexe militaro-industriel de l'Allemagne nazie pour lutter contre l'URSS et récupérer les armes secrètes du Troisième Reich. Ces scientifiques effectuèrent des recherches notamment sur les armes chimiques, Zyklon B, l'usage des psychotropes comme le LSD, la conquête spatiale, les missiles balistiques et les armes à longue portée, les bombes volantes V1 et V2. Werner von Braun, dont je parle dans la volte-face des contrôleurs 2, vidéo numéro 40, en faisait partie. La maréchale Rachel de Temer fut désignée par le Haut Conseil de la Fédération pour être le premier contact du président Eisenhower. C'est difficile de nos jours de trouver des extraterrestres qui parlent anglais, un homme de préférence, mais à l'époque c'était presque impossible. La maréchale Rachel avait appris l'anglais qu'elle maîtrisait parfaitement. De plus, son expérience militaire dans le contexte de la Terre et son calme étaient précieux pour entamer des pourparlers ou, au contraire, réagir en cas d'attaque. La difficulté était qu'elle était de la gente féminine. Serait-elle prise suffisamment au sérieux par un puissant homme terrien? Le président Eisenhower a donc accepté de la rencontrer et la date fut fixée au 18 février 1954, c'était un jeudi. Le vaisseau diplomatique de la maréchale Rachel était au bout de la piste la plus éloignée. Pour l'instant, il était en mode furtif, non visible, à environ 100 mètres d'altitude et tous les membres d'équipage présents surveillaient le déroulement des opérations. Le président Eisenhower est arrivé dans un avion bimoteur Lockheed Electra. Il n'était pas seul dans l'avion, il était accompagné par plusieurs personnes, dont un membre de la CIA. Au sol, il n'y avait qu'une seule Jeep en vue, avec des soldats armés. La maréchale demanda donc au président Eisenhower par radio de bien vouloir éloigner les soldats et de déconnecter les radars, ce qui fut fait. Le vaisseau de la Fédération descendit lentement pour que le président Eisenhower et les soldats le voient de leurs propres yeux et qu'ils réalisent que ce n'était pas le type d'engin qu'ils avaient l'habitude de voir, ce qui donnait de la crédibilité à leur statut d'extraterrestre. C'était un vaisseau traditionnel, une soucoupe volante ronde de 22 mètres de diamètre qui se posa sur trois pieds. La rampe fut descendue. De son côté, l'escalier de l'avion présidentiel fit de même. Le président Eisenhower descendit le premier, vêtu de son traditionnel uniforme de couleur sable, portant son chapeau militaire et ses emblèmes. Ce n'était pas visible, mais les senseurs extraterrestres détectèrent que sous son uniforme, il était armé. Un membre d'équipage accompagnant la maréchale Rachel s'arrêta sur la rampe d'accès du vaisseau pour observer la scène de loin, prêt à intervenir si nécessaire. La maréchale descendit à son tour du vaisseau spatial, vêtue de son traditionnel uniforme, une pièce en matériel nanotechnologique gris bleuté qui épousait son corps. Elle n'avait pas d'armes. Ils se dirigèrent l'un vers l'autre et s'arrêtèrent à 2 mètres de distance. La maréchale se présenta en tant qu'amiral, membre du Haut Conseil de la Fédération Unie des Planètes. Il la dévisageait, dubitatif, comme un homme le fait lorsqu'il observe une femme intrigante qui était peut-être une espionne russe, et pleinement dans son rôle de chef d'État, il dit avec force «
Arrêtez vos conneries. Qu'est-ce que vous voulez ? La maréchale Rachel lui proposa d'aider les USA à se développer spirituellement, implémenter un nouveau type de société, l'énergie libre, les plans de réacteurs sans combustion et de nouveaux types de transmission électrique. Ce que la Fédération voulait en échange était le démantèlement et la destruction de tous les systèmes d'armement et le désarmement nucléaire total des USA. Il continua de l'observer pendant qu'elle invoquait le fait que si elle lui donnait des technologies, les terriens seraient incapables de les gérer et qu'elles seraient utilisées à des fins destructrices. Elle précisa que l'ionisation de l'énergie nucléaire ne ferait qu'apporter des problèmes à l'humanité et qu'il y avait de meilleures options énergétiques. La Fédération était prête à lui donner ses développements scientifiques en échange du désarmement. Elle ajouta sans détour que les terriens étaient sur la voie de l'autodestruction et qu'il fallait arrêter les guerres, la pollution, le saccage des richesses et des ressources naturelles et qu'ils apprennent à vivre ensemble de manière pacifique. Elle n'eut pas le temps de terminer sa phrase que le président Eisenhower rétorqua sèchement qu'il ne pouvait s'y engager parce que les Russes auraient la main haute contre les États-Unis. La maréchale insista en disant que les Russes, eux aussi, devraient procéder au désarmement et à l'abandon de toutes leurs armes. Le président Eisenhower accueillit ces propos avec une extrême méfiance, en particulier la condition majeure du désarmement nucléaire. Il croyait qu'en acceptant ces conditions, elle laisserait les USA impuissants face à des menaces, russes ou extraterrestres, qui depuis 1953 devenaient de plus en plus évidentes. Il continua sur sa lancée en disant, mécontent, que sa rencontre avec elle faisait partie d'un complot communiste qui tentait de désarmer les États-Unis et, sans attendre, d'une voix forte, il mit fin à l'entretien. Il fit un namasté en se penchant légèrement, tourna les talons et reprit l'avion. La maréchale remonta à bord du vaisseau de la Fédération et tout le monde se sépara, fin de la première rencontre. À bord de son vaisseau, son équipage et les membres de la Fédération qui l'accompagnaient firent un débriefing. Ils décidèrent de recontacter le président Eisenhower immédiatement en lui disant qu'il fallait qu'il y réfléchisse à deux fois, en prétendant, même si c'était inexact, et qu'il l'utilisait comme moyen de pression, qu'ils avaient ensuite rendez-vous avec le Kremlin. Nouvelle menace à laquelle le président Eisenhower répondit en acceptant de les rencontrer une seconde fois, deux jours plus tard, dans la nuit du samedi au dimanche 20 et 21 février 1954. Cette seconde rencontre se déroula comme la précédente sur la base d'Edwards. Cette fois, il y avait beaucoup plus de monde et de personnel militaire, aussi bien dans les bâtiments que dans les radars et dans les jeeps. Personne n'était armé, ou tout au moins. Il n'y avait aucune arme pointée sur eux. Le président Eisenhower sortit beaucoup plus rapidement et la maréchale Rachel répéta ce qu'elle avait déjà dit en spécifiant que malheureusement, la Fédération ne pouvait pas lui proposer autre chose par respect de la directive première et des lois qui régissent les relations terrestres et non terrestres. Le président Eisenhower s'emporta en disant qu'elle n'était pas une extraterrestre et l'accusa d'être une nazie, de faire partie de la société Vril, qu'elle et ses compagnons se cachaient en Antarctique et qu'ils avaient été repérés par les services du renseignement de la CIA qu'il avait reconnus sur des photos datant des années 1930 et 1940.
Puis, sans lui laisser le temps de répondre, il fit demi-tour, remonta à bord de son avion et disparut. La rencontre se terminait une nouvelle fois par un fiasco. Pour un observateur extérieur non informé, la situation semblait très ambiguë. Un président qui, pour faire face à une menace à la sécurité des États-Unis et qui ne savait pas à l'avance qu'il allait rencontrer une jolie jeune femme, même si c'était une maréchale haut gradée de 186 ans, avait organisé des vacances en famille dans la région et avait dit à la presse qui le suivait qu'il s'était rendu chez son dentiste. Si cette rencontre était divulguée, les journaux auraient fait la une d'un président qui mentait, trompait sa femme et, de surcroît, avait emmené sa famille pour couvrir ses méfaits. Pour ce qui concerne la commandante Askett, l'équipage qui s'est rendu chez Billy Mayer, également au mois de février 1953, et qui reprenait les contacts qu'il avait eus avec Sfa, Askett a donc démarré ses communications avec Billy, et un jour qu'elle devait le rencontrer, elle lui avait demandé d'être seule. Billy Mayer avait invité l'un de ses amis, et il est entré dans la pièce où Askett était assise, sur le coin d'un bureau. Elle a tellement été surprise qu'elle est tombée à la renverse et s'est cognée la tête sur un radiateur. Elle fut emmenée rapidement par son équipe et placée dans une capsule médicale pour guérir du traumatisme crânien qu'elle venait de subir. C'est ensuite Sam Yazzie qui l'a remplacée auprès de Billy. Et Billy a fait du radiateur un autel à la mémoire d'Askett qu'il vénérait comme un objet sacré et divin. Ce n'est pas moi qui l'invente, bien entendu, c'est Askett qui me l'a dit. Si vous souhaitez prendre connaissance des communications d'Askett avec Billy Mayer, vous pouvez les trouver sur son site à l'adresse qui est mentionnée en haut de cette page. Les communications qu'Askett m'a faites sont identiques à celles qu'elle a faites à Billy Mayer. Avant de clore cette présentation, je vous invite à assister aux deux directs qui auront lieu les 20 et 27 novembre à 17h sur YouTube. Ils durent une heure. Je vous retrouve très bientôt pour le cinquième volet de cette série qui sera un zoom sur Ishtar, une personnalité célèbre sur Terre et dans l'espace, pilote extraterrestre et inspiratrice de nos mondes futurs. En attendant, portez-vous bien, méditez et soyez heureux.